dans les stalles. Sont partis pour 2400 mètres avec un bon départ d'ensemble et de, notamment de Nicolas Nbar, bon départ également de Fastnet Cyclone, bon départ du 16 à Pelchicha, plutôt côté corde. Mais après 200 mètres de course, c'est Nicolas Nbar et Zalzali maintenant qui vient aux avant-postes avec également le numéro 12, Odd, Fastnet Cyclone, le 8 est pour l'instant 4e. Le favori Santo Spirito sur le mouvement, 5e position avec également Bibactic à Pelchicha un petit peu plus loin. Au sein du peloton, on a l'As Parcori, on a également le 7 Vimy. Un petit peu plus loin vient le 13 Solar Pocket, avec également dans le dernier tiers du peloton la Kazakh de Coudeville qui passionne ma philosophie. C'est Bucentaur qui ferme la marche. Concurrents qui vont sortir du premier tournant. Et c'est Odd, le numéro 12, qui a pris la direction des opérations avec Nicolas Nbart, le 3, qui est en deuxième position. Pelchicha, le 16, est pour l'instant 3e. Devant encore Fastnet Cyclone, avec également Zazali, qui est dans le groupe de tête, qui est pour l'instant 5e. Bibactic, comme Ducasse, qui suivent. Avec également Vigny, le 7, qui est au milieu du paquet. Santo Spirito est en 10e position, avec à son intérieur Parcori, un petit peu plus loin. Numéro 13, La Grise, est pour l'instant en position d'attente, avec également Calajani, un petit peu plus loin. Solar Rocket, Solar Pocket et le 17 Coudeville qui est passé en dernière position. Concurrents qui sont à 1000 lignes opposées avec toujours aucun changement. Nicolas Nbart, Odd aux deux premières places avec Apple Chicha, le numéro 16 qui est pour l'instant 3e. Non loin, on a également le numéro 11 Andoukas qui est précédé de près par le numéro 8 Fastnet Cyclone. Un petit peu plus loin, Zalzali est toujours dans le groupe de tête. Bucentaur tente de progresser plutôt côté corde, épaulé par le numéro 1 Parcori. Santo Spirito est un petit peu reculé pour l'instant. 11-12e avec également Calajani qui tente de se mettre à la lutte avec un petit peu plus loin également le 7 Vigny, dernière position pour le 13 Solar Pocket. Les concurrents qui sont à la mi-tournant finale et toujours les deux mêmes, le 12 Odd, le 3 Nicolas Nbar, c'est de là devant Apple Chicha avec également Fastnet Cyclone qui est 4e, Zalzali qui attend pour l'instant en 5e position devant encore Parcouri en Ducasse qui est là avec également le numéro 9 Bibactic. Santo Spirito maintenant est lancé et va tenter de quitter le sein du peloton. Nicolas Nbar à 500 mètres de l'arrivée qui vient attaquer Odd, le numéro 12 Fastnet Cyclone maintenant qui vient, Zalzali qui n'a pas eu les coups des franges maintenant qui va tenter de se relancer, Fastnet Cyclone qui va attaquer Odd avec Apple Chicha avec également Parcori au centre qui vont lutter à l'extérieur. Bibactic tente de venir avec également le numéro 2 Santo Spirito avec Fastnet Cyclone qui prend l'avantage devant Odd qui se défend bien avec Bibactic et le numéro 2 Santo Spirito qui tente de revenir. Zalzali qui n'a pas dit son dernier mot, toujours Fastnet Cyclone qui a l'avantage. Zalzali qui tente de revenir avec à l'intérieur Vigny qui finit bien avec le numéro 8 Fastnet Cyclone. Vigny, Fastnet Cyclone, Vigny, le 8 Fastnet Cyclone face à Vigny, le 8 va s'imposer. La deuxième place serrée entre Vigny le numéro 7 et Zalzali qui a bien fini, et numéro 13 qui a bien conclu au 4.